Aujourd'hui, une petite vidéo, on va attaquer la construction d'un chariot de poste à souder. Bah, hop, c'est parti. Alors là, je te montre les coupes. Donc ça, c'est fait donc avec la scie d'amo. Donc tu vois, ça fait quand même des coupes assez propres. Un peu de métal de récup. Des petits renforts en dessous et puis ça. Sinon, pour jouer un petit bac, ce serait sympa d'avoir un petit bac de récup. Petit bac de. Alors, ce que je peux récupérer.
Ah, donc là, on va tout dépoussiérer, dégraisser. Et puis une petite mise en peinture. Donc pour la peinture, je vais prendre ça, de la bombe. Pour faire ce que j'ai à faire, ça devrait y aller. Ouais, ça va être plus simple pour travailler et puis pas avoir tous les caps traînés par terre. Et... Donc voilà, donc je vais pouvoir chercher trois fers de finition. Là, il va me rester donc une chaînette à mettre pour tenir la bouteille. Donc bon, elle tient déjà quand même. Et bon, avec une chaînette pour la précaution, ça va quand même être mieux. Les prochaines vidéos, je vais vous présenter la porte. Donc là qui est en cours, elle est quasi finie, il me reste plus que les pare-close à faire. Donc je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Donc là plus tard, là, ici, toute cette partie-là, je vais faire un établi. Donc établi, tout en métal. Là la partie derrière, on va faire une mezzanine. Donc là on voit pas trop, il y a une mezzanine avec une verrière, baie vitrée à l'arrière. Donc je vais poser un IPN, je vais faire tout un truc assez sympa. Ça c'est un autre projet, bon, on va faire des bidons, on va faire des chaises. Je vais essayer de vous montrer aussi, c'est toute la partie électricité, donc avec installation d'un tableau là. Et après les répartitions donc des prises, les éclairages. Donc installation des éclairages aussi là-haut. Je sais pas trop ce que je vais mettre encore, si je vais fabriquer. Mes suspensions ou si je veux mettre de la suspension, des éclairages LED classiques, je sais pas encore.